Bonjour, je m'appelle Denis de Montgolfier, je suis enseignant à Sciences Po en France. The Lab est un documentaire choc qui n'est pour le moment pas visible en Europe. L'auteur de ce film est un réalisateur israélien, Yotam Fellman. C'est un véritable coup de poing en pleine figure. Bien fait. Il explore deux tabous en Europe, les ventes d'armes et Israël. Yotam Fellman est un journaliste israélien qui habite Tel Aviv. Il a travaillé au journal Haaretz. Son documentaire lui a demandé 4 ans de travail. My main objective in the film was to convey a message to people in Israel. I think Israel is in many respects a war economy. That means that the success of the economy and the success of particular people is completely dependent on the testing of weapons in Palestine. Son film va être difficile à sortir. J'ai rencontré Yotam Fellman à Lyon, où il était de passage. I think in Europe, in many countries, it is very difficult to criticize Israel because legitimate criticism of Israel is understood as some form of anti-Semitism, and it is difficult to actually explain that this is a legitimate political criticism of the Israeli government. And of course, also in Israel, people are afraid of these projects. We had the luck of finding people which were brave enough to believe in this project and to put money in it. But it is more important for me to show that people feel some easiness about this linkage between economic success and the testing of arms on live subjects. And I think in Israel it has to do with the fact it is not so often discussed. The Lab raconte avec des témoignages de hauts gradés d'Israël une implacable mécanique. Israël invente et fabrique de nouvelles armes, il les expérimente sur les Palestiniens, puis les vend dans le monde entier avec le label « armes ayant déjà été testées ». Bien fait. The Lab nous met devant une réalité. Fermer les yeux ou apprendre. La question que pose ce film, Israël qui vit de l'argent de ses armes, a-t-elle intérêt à faire la paix? Ne pas regarder ou apprendre ?